Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Vous l'avez vu dans le titre, il va falloir parler, que l'on se parle, vous et moi, du fait de ne pas peindre ces figurines. Alors c'est un petit peu tronqué, on va les peindre, mais vraiment partiellement. En fait, ce que je veux avec cette vidéo, c'est plutôt lancer une idée. Vous me direz si elle vous convient éventuellement ou pas. En tout cas, pour l'avoir testé, je pense que je vais m'orienter de plus en plus sur ce phénomène, on va dire. L'idée, en fait, c'est que avec toutes les figurines des jeux que l'on a, ce qui revient souvent, c'est qu'on a très peu le temps, ce qui engendre une démotivation. Un ras-le-bol, certains même parlent de dégoût carrément sur le fait de devoir se poser et puis de ressortir des figurines pour essayer d'avancer sur de la peinture, et ce quel que soit le degré de peinture que vont avoir les uns les autres, sachant que moi j'ai pas un degré qui est vraiment délirant, je suis aussi un utilisateur final, c'est-à-dire que j'aime bien, une fois que j'ai déballé le jeu, que j'ai pris connaissance des règles, j'aime bien me plonger dedans et puis pouvoir y jouer au maximum tout de suite. Mais quand c'est un jeu avec figurines, le tout de suite, c'est pas pour maintenant, parce qu'il y a toute la phase de peinture. Alors, depuis des années, j'ai un passif de rôliste, donc les premiers jeux de rôle, j'ai commencé à acheter de la figurine, et puis on change de jeu de rôle, donc on rachète des figurines. Il s'avère qu'au bout d'un moment, on est vite débordé. Quand je me suis mis à Warhammer Battle, pareil, Empire, parce que vous avez une boîte d'unité avec 25 ou 30 figurines à l'intérieur, ce qui fait qu'on est tout le temps très motivé sur les débuts. Et puis après, selon les uns les autres, au bout de la peut-être 50e figurine, donc la deuxième, troisième unité, on commence à patiner. Il y a une chose sur laquelle j'ai remarqué où peu de gens patinent et restent motivés, c'est sur les héros, la peinture des héros ou des grands méchants. Ça reste vraiment systématique. D'autant plus que je me suis fait la réflexion de se dire, les héros, on les emmène sur une campagne, par exemple, de A à Z, sauf si on en perd un ou deux en cours de route, mais dans l'idée, les héros sont toujours présents devant nous sur le plateau. Alors que les ennemis, eux, ont plutôt tendance à avoir une durée de vie éphémère. Une unité de 4, on en tue un, deux, ils sortent du plateau, on va peut-être en faire revenir un ou deux, mais visuellement, il reste moins présent sur le plateau. Donc, pour pallier à tout ça, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête de me dire « Mais comment est-ce que je peux faire pour que ça reste un plaisir ?» Parce qu'à partir du moment où on doit se donner un gros coup de pied au cul, un soir en se disant « Allez, pendant une heure, il faut que je m'oblige à… » là, on n'est plus dans du plaisir, on n'est plus dans du loisir. Donc, ce qui me trottait dans la tête, c'était de déverrouiller tout ça et puis de trouver un compromis, vraiment, voilà, c'est ça, un compromis qui va faire que, on achète un jeu, qu'il y ait 20 ou 100 figurines, on trouve ce compromis pour se dire, au moins, mes figurines, elles sont prêtes. Et c'est vraiment le terme que je trouve adéquat, c'est de préparer les figurines pour qu'elles soient jouables. Alors, je vous en supplie, les puristes de la peinture, ne m'assassinez pas. C'est vraiment qu'une idée comme ça que je lance. Elle convient ou elle ne convient pas. Moi, le test que j'en ai fait cette semaine, sachant qu'on est samedi et je me suis posé mercredi pour faire ça, ça m'a plutôt convenu. Vous allez voir, on va détailler tout ça. En plus, on est à 48 heures du réveillon de Noël, donc vous allez certainement recevoir un gros jeu avec de la figurine dedans. Et si vous êtes comme moi en phase de se ronger les ongles pour se dire « Non, mais j'ai envie de peindre, bien sûr, ça m'interpelle, mais je sais que je ne pourrai pas aller jusqu'au bout », eh bien, ça peut être fait pour vous. Alors,
L'idée de base, c'est, comme je l'ai dit, de préparer un maximum de figurines en gardant à l'esprit que, comme je vous le disais, là, il y a d'une part le fait que les figurines vont avoir une vie éphémère sur le plateau, mais il faut prendre aussi en compte que le jeu en lui-même va avoir une durée de vie éphémère. Un gros jeu pour lequel on est vraiment dedans, on va y jouer quelques mois, exception faite, certains plusieurs années, mais sinon on a un turnover au niveau des jeux qui font que, à moins d'exposer vraiment systématiquement toutes ces figurines, et là on a envie qu'elles soient peintes nickel, mais sinon au bout d'un moment, une fois que les semaines, les mois se sont passés, qu'on a réussi à faire une quête de A à Z, eh bien on va avoir tendance à ranger les figurines, et les figurines qui n'auront pas été peintes en entier, eh bien ma foi, pour moi je trouve que c'est moins grave, pour peu qu'il y ait un degré de gravité dans notre loisir. D'autant plus que je n'expose pas forcément toutes les figurines de tous les jeux, mis à part les héros, puisque les héros, généralement, on les peint systématiquement. Donc vous allez voir qu'il va y avoir quatre possibilités, quatre degrés de ne pas peindre ces peintures, de ne pas peindre, pardon, ces figurines. Et pour l'exemple, je prends Blackstone Fortress, qui vient d'arriver. Il y a dedans une quarantaine de figurines, entre 40 et 50. 8 héros, un gros méchant, et le reste, eh bien, c'est de la figurine d'hostile, les ennemis. Et je trouvais que c'était vraiment le bon moment pour que j'applique ce que j'avais en tête avec quelque chose de vraiment concret, de repartir à zéro. Donc, on va voir tout ça. Je vous le détaille maintenant. Alors, avant d'appliquer et de vous montrer ce à quoi j'ai pensé, voyez par exemple, Demeure de l'Épouvante. Ça, ce sont les figurines que l'on a. Sachant que j'ai toutes les extensions, les trois. Les héros, comme je vous disais, je me suis attaché à les peindre. Là, on a les héros de la boîte de base. Alors, vous voyez, c'est relativement soft, hein, en peinture. Par contre, les héros des extensions, je n'ai pas encore pu prendre le temps de me poser pour le faire. Les monstres, les ennemis qui sont derrière, il y en a certaines que j'ai pu, sur lesquelles j'ai pu avancer, mais là, on en a 4, 8, 10, une, bah, tout mis bout à bout, ça en fait une vingtaine, qui ne sont pas finis de peindre. Et dans les demeures de l'épouvante, il n'y a pas beaucoup de figurines. Après, on passe à Descent. Alors voilà, Descent, ici on a les héros que, avec un copain, on est en train d'utiliser depuis plusieurs mois sur une campagne. Le reste, j'ai réussi à peindre certains des héros, sachant que j'avais acheté aussi pas mal d'extensions pour Descent. Mais derrière, vous voyez qu'il y a une foultitude de monstres qui ne sont absolument pas peints. Et le début de ma réflexion a été justement avec Descent, de me dire, bon, allez, les chefs, on va les faire quand même un minimum, c'est-à-dire on peint les chefs, on fait le soclage, et par contre, les sbires, alors si je prends par exemple, voilà, les étines là, lui c'est le chef, et à côté, juste comme ça, un petit peu de barbouille pour différencier, on a les sbires. Et j'ai appliqué ça quand même à pas mal des figurines, mais vu le nombre d'extensions qu'il y a, eh bien, on multiplie les figurines, et pour le coup, je ne suis pas allé au bout. Il faut aussi prendre en compte une chose, c'est qu'un jeu chasse l'autre, et on a envie de passer à autre chose, donc on délaisse les premiers jeux. Ensuite, Assaut sur l'Empire. Alors, Assaut sur l'Empire, c'est pire que tout, parce que là, rebelote, foultitude d'extensions. 4 héros jouables en ce moment dans une campagne.
Et puis le reste derrière, bah, j'ai réussi à avancer sur les troopers, un petit peu d'ennemis. Mais je suis carrément loin du compte pour pouvoir, bah, pour pouvoir tout finir. Et je sais que là, c'est en pause pour l'instant, Assaut sur l'Empire. Donc, pour moi, je me dis, j'ai pas d'intérêt à continuer, alors que c'est une erreur. Si justement le jeu est en pause, autant en profiter pour avancer au maximum. Et puis, quand on reprend le jeu, eh ben voilà, on retrouve les figurines peintes. Mais encore une fois, un jeu chasse l'autre, et puis Blackstone est arrivé. Alors justement, Blackstone, pour l'exemple, c'est tout frais, je suis motivé d'y jouer, je suis donc motivé pour avancer sur les figurines. Il y a 8 héros dans Blackstone, ce qui représente en fait 9 figurines, puisque j'ai oublié celui-ci, mais il y a les jumeaux là. Donc, le principe de base, c'est de se dire, oui, je peindrai de toute façon les 9 figurines de héros. De même que je peindrai la figurine du grand méchant. Ça, c'est un principe sur lequel je ne dérogerai pas. Encore une fois, parce que ces héros-là, les explorateurs, vont rester quand même un bon paquet de temps sur le terrain. Donc, on s'y attachera d'autant plus. Mais par contre, après, dans toute la boîte, là, on a le visuel de ce que Game Workshop fournit. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de figurines ennemies. Et c'est ces figurines-là sur lesquelles je me suis dit, bon, je vais faire en sorte de les préparer, mais de ne pas les peindre. Alors, pour l'exemple, on va prendre les Urgules. Alors, les Urgules, ça va être les petites bestioles que l'on aperçoit ici, en bleuté. Je vous ramène ça. Alors, premier niveau de préparation pour moi, c'est bien sûr la sous-couche. Que ce soit sous-couché en blanc ou sous-couché en noir, c'est important de le faire, bah, d'une part parce que ça fait énormément ressortir les détails. N'hésitez pas à prendre une bonne bombe de sous-couche, faites peut-être un ou deux essais ou allez voir sur le net lesquels vont ressortir. Pour ma part, je n'ai pas été déçu avec The Army Painter, cette sous-couche-là. Elle est vraiment, vraiment très très bien. Je n'en suis pas du tout déçu. Et là, on peut se dire, bon, bah oui, voilà, au moins on a les détails. Ça peut être jouable. Mais pour moi, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. J'ai besoin d'avoir un semblant de plus. Donc, après, on a vu qu'ils étaient à tendance bleutée, les Urgules. Donc, ce que j'ai fait, une fois que ma sous-couche est faite, eh bien, j'ai fait un semblant de brossage. Mais vraiment, quand, je dis bien un semblant parce qu'il est même à moitié foireux, mon brossage, puisqu'il y a des zones où c'est beaucoup plus prononcé que d'autres. Mais bon, à la limite, peu importe. Mais vous voyez que je reste dans la teinte de la figurine telle qu'elle est présentée. Et une chose importante, c'est que je prépare systématiquement les socles. Je fais la peinture du socle. Et donc là, il n'y a aucun détail sur la figurine elle-même qui est peinte, hein, que ce soit au niveau des mains, des cuisses, de la tête, voyez les petites épines dorsales, là, rien n'est fait, c'est juste vraiment qu'un semblant de brossage. Donc ça fait déjà une seconde étape. Je m'en contente beaucoup plus. Et pour aller plus loin, et pour finir la préparation des figurines, et après je m'arrête là, eh bien, c'est de faire le flocage de la figurine pour la terminer, ce qui fait qu'au final, ça donne ceci. Donc là, j'ai ma sous-couche blanche, le brossage bleuté, la peinture du socle et le flocage. Terminé. Et je pose à côté, je prends le quatrième puisque il y a 4 figurines dans la boîte. Voilà. Voilà ce que ça donnera au final pour les 4. Ils vont être comme ceci.
Et ça, honnêtement, pour moi, bah, je m'en contente. Ça a été très rapide. On reviendra sur la notion du temps auquel j'y ai consacré. Vous allez voir que c'est assez bluffant. Après, on va voir les unités, enfin, tout du moins les figurines, qui vont avoir un aspect métallique de par l'armure qu'ils portent. Alors, ici même, autour du grand méchant, on a deux gardes là. Deux gros gardes qui sont totalement en armure. Eh bien, j'ai appliqué le même principe, à savoir que sous-couche noire plus un léger brossage sur les parties métalliques, mais vraiment léger, hein, j'ai pas cherché à détailler. L'arme, je n'y ai même pas touché. Le pagne en dessous, j'y ai pas touché. Mais par contre, peinture du socle, et puis j'ai fait un flocage pour finir. Et là, mes deux figurines, eh bien, elles sont prêtes. Pour moi, ça me va. Elles sont prêtes à jouer sur le plateau. Je peux les utiliser sereinement. Donc, on a les figurines qui présentent un aspect de peau, celles qui ont un aspect d'armure. Dans le même genre, quand c'est pas une armure, ce sont des figurines qui ont plutôt un aspect métallique. Là, on voit les drones, eh bien forcément, ça rappelle le métal. Ils ont la tête un petit peu argentée. Donc, même principe, même punition. Il y en a 4 aussi de fournis dans la boîte. Voilà. Donc, sous-couche noire, brossage, peinture du socle et flocage. Et vous remarquez que à chaque fois, j'ai tendance à changer le flocage pour que, encore une fois, visuellement, on ait quelque chose de différent et que ça casse l'aspect homogène et que chaque groupe de figurines garde quand même une certaine identité. Et là, bah, voilà, on a les 4 hein, qui sont pour moi, encore une fois, utilisables tels quels. Donc là, ça va, je vais dire, parce que ce sont des tout petits groupes de figurines. Un groupe, enfin oui, à partir de deux, on va dire que c'est un groupe. Un duo de figurines qui me pose un petit peu problème, je vous les montre. Ce sont des Psykers, parce que les Psykers, j'ai peut-être fait l'erreur de les sous-coucher en noir. Et pour le coup, attention, mais la sous-couche noire ne fait pas du tout ressortir les détails. Absolument pas. Je pense que si je les avais sous-couchés en blanc, ça aurait donné quelque chose de plus sympa. Alors, sous-couché blanc, j'aurais pas mis un flocage clair pour que ça tranche. Là, la problématique, c'est que c'est une figurine qui n'a pas d'armure, qui a des aspects chers, donc on est sur du mix. Alors, j'ai pas voulu faire ou bien je peins la chair ou bien je peins un semblant de leur manteau. Non, je préfère, quitte à ne pas le faire, je laisse vraiment comme ça, à côté des autres. Je pense que ça va passer. Donc là, il n'était que deux. Un autre groupe de figurines. Alors là, justement, on va voir que ça va trancher au niveau de la sous-couche. Ces trucs bizarres dont j'ai perdu le nom. Mais c'est pas grave. On voit sur la photo, voilà, ils sont ici. Bah c'est pareil, hein, il y a de la chair, il y a du métal, mais c'est pas complètement uniforme sur tout l'ensemble de la figurine. Mais là, machinalement, j'avais sous-couché en blanc. Et les détails ressortent beaucoup plus que le Psyker qui est sous-couché en noir. Donc, avec le flocage et la peinture du socle, eh ben ma foi, je vais parfaitement m'en contenter. Donc les 4 sont comme ça. Et après, il y avait un autre aspect
qui allait rentrer en ligne de compte, c'est lorsque l'on tombe sur des gros groupes de peinture. Dès qu'on dépasse 8 figurines, ouais, 7-8, là ça devient plus compliqué. Notamment, ça va être pour tous les, voilà, les gardes là. Vous voyez ? Là, il y en a 2, 4, 6, il y en a 14 en tout. Donc, 14, comment faire pour que ça reste sympa ? Je vous les apporte. Voilà, on va considérer qu'il y a deux unités de 7. Je les ai séparées exprès. Donc, là, sous-couchage en blanc, pardon, c'est ici que ça se passe. Tous les détails vont ressortir. Et j'ai fait la peinture, bien sûr, du socle. Vous allez voir après la même composition d'unité avec le flocage. Alors, un petit distinguo, dans ce genre de groupe, il y a souvent un chef ou un sergent. Bah, comme d'hab, prenez soin de faire une peinture sur son socle d'une couleur différente, de façon à ce que, toujours visuellement, on le repère facilement. Et donc, la même unité maintenant que j'ai fini de préparer avec le soclage et le flocage. Voilà, en bas à droite. Donc, si je prends celui-ci, là, on a la figurine qui est aussi floquée. Et honnêtement, pour moi, ça passe. Là, je vais pouvoir vraiment les utiliser en l'état, sans aller plus loin. Et ce que j'ai fait, et ce que je ferai pour l'autre sergent, c'est que sur son socle, en plus d'avoir le liseré rouge, eh bien, j'ai mis un petit peu de... C'est de l'herbe, peu importe la couleur, mais voilà, pour renforcer le côté fini. Et puis, la dernière étape, alors, elle qui est là pour atténuer le côté peut-être trop blanchi de la sous-couche, eh bien, on peut appliquer un encre ou lavis sur, justement, les figurines sous-couchées en blanc. Donc, il y a différentes teintes, hein. On peut en essayer différents schémas, on va dire. Et puis, voilà ce que ça donne. Donc, une des figurines sous couché blanc normale à droite. Et puis, avec l'encre lavis sur la figurine de gauche, on fait ressortir encore un peu plus les détails, en fait. Et là, pour le coup, on est bien. On est allé au bout du bout de l'idée. Ah oui, ceux-là aussi, je les ai fait. Alors c'est léger, hein, selon la teinte que vous prenez et puis la quantité que vous allez mettre. Ça prend pas beaucoup plus de temps pour les appliquer, pour le faire. Et puis ça fait une petite finition en plus. Je ne pense pas que je les vernirai, ça devrait rester comme ça en l'état. J'ai testé sur les figurines sous-couchées en noir, mais, pour le coup, bah c'est beaucoup trop noir. On en revient toujours au même problème, que le noir gomme tous les détails de la figurine. Mais c'est pas grave, j'en ai mis quand même un petit peu. Peut-être après, à la lumière du jour, ça transparaîtra plus. Ça n'est pas bien méchant. Et bien maintenant, je vais vous montrer donc l'ensemble des figurines et puis on va parler du temps que ça a pris. Voici donc l'ensemble des figurines qui ont été faites. Vous voyez, hein, on retrouve tous nos petits bounoums. Alors là, c'est l'unité complète de ceux qui ont eu la vie encre. L'ancrage, et puis il me reste juste aller pendant 10 minutes, même pas, à faire la seconde unité, et puis le reste des petits bounoums. Donc pour finaliser tout ça, en fait, il y a 34 figurines là,
34 figurines, je me suis posé mercredi, sachant que nous sommes samedi. Je me suis posé mercredi pendant 3 heures. Là aujourd'hui, pour finir de préparer la vidéo, je me suis posé 1h30. Donc en 4h30, j'ai fait ma préparation de 34 figurines, ce qui pour moi est absolument énorme, c'est délirant. Pour un résultat qui me convient, mais vraiment, il y aura juste quelques ajustements à faire sur le sous-couchage. Bien que certaines figurines se prêtent parfaitement à la sous-couche noire, il existe bien sûr d'autres teintes de sous-couche, hein. On n'est pas que sur du blanc et du noir, donc ça peut être aussi à rechercher, mais pour l'ensemble, vraiment, vraiment, je suis très, très, très satisfait. Il reste une bricole à voir, et puis on arrivera à la conclusion. Et puis pour finir, pour faire tout ça, ben ça implique d'avoir un petit peu plus de flocage que d'ordinaire peut-être. Là vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 flocages différents, dont de l'herbe, terre, gravier, différentes sortes d'herbes en fait. Ça, j'ai ramené ça ce matin même, vous voyez, 2,99€ dans une des chaînes de magasins King Jouet ou Jouet Club, je ne sais plus. Mais c'est pas très onéreux, et puis c'est du ce qui représente du basalte pour les maquettes de train. Le fait d'avoir beaucoup plus de flocage, eh bien ça permet visuellement, encore une fois, de différencier les groupes de figurines les uns des autres. Donc c'est plus sympa, et puis là pour le coût, ça en parlant de coût justement, ça à 5,50€, on peut trouver des flocages, allez on va dire de 3 à 8 euros pour élargir un petit peu sa palette. Eh bien voilà, j'ai osé vous le présenter, je dis bien osé parce que je ne vous cache pas que ça m'a quand même pas mal tarabusté, surtout cette crainte de se voir dire mais t'es complètement abruti, ça ni queue ni tête, c'est à moitié fait, c'est ni fait ni à faire, donc voilà. Bon, moi ça me convient, je trouve que c'est une bonne alternative à appliquer ou pas. Faites-moi les retours par contre, lâchez-vous pour me dire si oui ou non éventuellement vous appliqueriez ça à vos propres armées, propres figurines. Et puis, eh bien, on est à 48 heures de Noël, donc si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite un très très bon réveillon, merci de votre soutien et puis merci de me suivre, et à très très bientôt, ciao ciao.